dernière vidéo, ouvre et ferme les yeux. J'ai eu quelques petites idées pour en faire une plus longue. Donc on va refaire avec ce qui marche déjà et avec de nouveaux tests. C'est parti, on va baisser la luminosité et commencer tout de suite. Demandez très simplement d'ouvrir et fermer les yeux. Là c'est classique avec la lumière. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Je ferai un décompte et tu ouvriras les yeux. Est-ce que tu peux fermer les yeux s'il te plaît? Ok. Je vais te demander d'ouvrir les yeux dans 5 secondes et tu regarderas la lumière. Ok. 5. 4, 3, 2, 1. Ouvre les yeux. Est-ce que tu peux suivre la lumière, s'il te plaît? Super. Tu suis la lumière jusqu'à ce que je te dise de fermer les yeux. Ok, suis la lumière. Parfait. Tu continues à la suivre. Suis la lumière. Ok, ferme les yeux. D'accord, je vais compter jusqu'à 5. On va faire la même chose 3 fois. Tu vas ouvrir les yeux et suivre la lumière. Ok. 3, 4, 5, est-ce que tu peux suivre la lumière? Ok, suis la lumière avec tes deux yeux ouverts. Parfait. Suis la lumière, suis la lumière, suis la lumière. D'accord, d'accord, continue à la suivre. Suis la lumière, est-ce que tu peux fermer les yeux? Ok, une petite dernière fois, je vais compter jusqu'à 5. Tu vas ouvrir les yeux et suivre la lumière. Concentré. 1, avec les petites pattes de copier en arrière-plan. 5, ok, est-ce que tu peux suivre la lumière? Suis la lumière. Suis la lumière, très bien. Est-ce que tu peux suivre la lumière? D'accord. 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 Très bien. Pour le prochain test, hop, je vais te demander toujours avec une petite lumière. Sauf que là, tu vas fermer les yeux à chaque fois que je claque des doigts. Dès que je claque des doigts, tu fermes les yeux. Et dès que je reclaque des doigts, tu ouvres les yeux. Ok. Pour l'instant, tu gardes les yeux ouverts, regarde la lumière s'approcher et s'éloigner de toi. Et dès que je claque des mains, tu fermes les yeux. Ok. Super. Alors reste concentré parce qu'à tout moment, tes yeux peuvent s'ouvrir. Je vais faire un bruit de fond pour mettre du suspense.
Essaye de le faire dans le rythme et de le faire en même temps. Essaye d'imaginer quand est-ce que les ciseaux vont se fermer. D'accord, comme ça maintenant. Une deuxième paire de ciseaux toujours. Tu clignes des yeux quand les ciseaux. Je vais faire une petite musique de suspense quand les ciseaux se ferment, ok? Alors là. Mon amour, il m'a fait trop peur.
laisser mettre la lumière en plus. Alors, du coup, avant que Kobe fasse cette merveilleuse apparition, bah du coup, il s'est mis devant la lumière, ça veut dire qu'il faut peut-être baisser la luminosité un petit peu sur la suite, hein, parce que tu commences à t'endormir, on va baisser un peu. Ok, du coup, ça c'est grâce à Kobe. Du coup, je disais, à chaque fois que je claque des doigts, tu clignes des yeux. Et si je claque pas des doigts, tu n'ouvres, enfin tu ne clignes pas des yeux, d'accord? Je claque des doigts, tu clignes des yeux, c'est parti. Ok, alors pour l'instant, tu gardes les yeux grands ouverts, on fait un eye contact, c'est parti. Ok, tu clignes des yeux à chaque fois. Super. N'oublie pas de cligner des yeux, c'est le principe du test. Ok, maintenant je vais claquer des yeux soit une fois, soit deux fois, soit trois fois. Tu clignes des yeux soit une fois, soit deux fois, soit trois fois. Ok. Ok. Suis la lumière, suis la lumière, suis la lumière.
Ok, ferme les yeux. À ton avis, la lumière va apparaître en haut, en bas, à gauche ou à droite? D'accord, ferme les yeux. Non, je suis la lumière, je m'y perds, je m'y perds, je m'y perds. Ok, ferme les yeux. À ton avis, la lumière va apparaître en haut, en bas, à gauche ou à droite? Ok, super. Super, super. On va faire la même chose avec la deuxième lumière. Celle-ci. Ok, tu vas fermer les yeux. Et quand tu vas l'ouvrir, tu vas juste suivre la lumière de très près. Ok, suis la lumière, suis la lumière, suis la lumière. Ferme les yeux. Suis la lumière, suis la lumière, suis la lumière, suis la lumière, suis la lumière. Ferme les yeux. Suis la lumière, suis la lumière, suis la lumière, suis la lumière. On fait le même test. Tu me dis si la lumière apparaît en haut, en bas, à gauche ou à droite. Ah, t'essayes de deviner. D'accord. D'accord. Ok, super, j'espère que c'est cool, c'est un test. Ok, ferme les yeux, on va faire l'autre côté. On va le faire une toute dernière fois et en même temps tu vas essayer de deviner où est-ce que le bip va apparaître, à droite, à gauche ou au milieu. Ferme les yeux. On laisse un tout petit peu de suspense pour la fin. Regarde la lumière. Ok.
Est-ce que tu peux regarder Billy? Billy, Billy, Billy. Regarde la lumière à nouveau. Regarde la lumière à nouveau. Est-ce que tu peux regarder Kobe? Kobe, Kobe. Ok, regarde la lumière à nouveau. Regarde la lumière à nouveau. Est-ce que tu peux regarder Lewis? Lewis, Lewis. Ok, regarde la lumière à nouveau. Regarde la lumière à nouveau. Est-ce que tu peux regarder Billy? Billy, Billy. Ok, regarde la lumière à nouveau. Regarde la lumière à nouveau. Est-ce que tu peux regarder Ronaldinho Gaucho? Regarde Ronaldinho, regarde Ronaldinho, regarde Ronaldinho. Super, super, super. Est-ce que tu peux regarder la lumière? Est-ce que tu peux regarder Kobe? Kobe, Kobe. Ok, regarde la lumière, 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 regarde la lumière. Ok. C'était un test. Pour le prochain test, du coup, on va reprendre ouvrir et fermer les yeux, ça sera toujours de l'inédit, mais du coup, je teste plein de trucs, c'est bien, c'est cool. Je prends beaucoup de plaisir à faire ce test, j'espère que toi aussi. Alors, pour le prochain test, on va jouer sur l'auditif et en même temps sur le visuel. Donc, je vais te fermer les yeux moi-même. Donc, en gros, dès que tu vas entendre le bruit du brush. T'auras les yeux fermés, dès que tu l'entends, tu vas ouvrir les yeux et tu refermeras les yeux quand je ferai le visuel. Ok? Tu entends le son du pinceau, tu ouvres les yeux, tu vois le pinceau, tu fermes les yeux. J'espère que t'as compris. Ok. Alors c'est parti, je ne parle plus. Let's go. Ferme les yeux s'il te plaît. Super, tu as compris. Maintenant, dès que tu vois le pinceau apparaître, let's go. Ok, ferme les yeux. Sur ce test, parce que j'ai une petite idée qui me vient à l'esprit, si tu sens et entends le brush à gauche, tu ouvres les yeux en regardant à gauche, à droite, tu ouvres les yeux en regardant à droite. J'ai fait au hasard, je sais pas si c'était le bon côté. Et si tu entends des deux côtés, tu me regardes dans les yeux, d'accord? Ça peut être stylé. Ok, ferme les yeux. C'est la fin de ce petit test, du coup ce plus gros test pour ouvrir et fermer les yeux. J'espère que tu auras apprécié. J'ai essayé d'ajouter plein de petits trucs différents. J'espère que tu auras apprécié le mix du visuel et de l'auditif. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures dans le respect et la politesse. Gros bisous.